Le 29 juin 2016, nombreux invités et anciens de la Légion étrangère étaient présents au camp du Larzac pour assister à une prise d'armes particulière. La cérémonie a célébré l'arrivée du drapeau de la 13e demi-brigade de Légion étrangère et la prise de commandement du lieutenant-colonel Percy Dussert. La remise de drapeau du régiment à sa nouvelle garde par le général commandant la Légion étrangère était le moment fort de cette journée. Cette cérémonie a été présidée par le général d'armée Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre. Si la phalange magnifique fut pendant de longues années le point de convergence de tous les régiments légions qui venaient s'aguerrir sous le soleil brûlant d'Afrique, elle remonte aujourd'hui en puissance à la confluence des efforts et des sacrifices de ces mêmes unités qui ont œuvré dans le sens de l'intérêt général et pour le succès de la grenade à sept flammes. De par le président de la République, lieutenant-colonel Percy Dussert, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera. À l'issue de la prise de commandement, un défilé a eu lieu pour clôturer cet événement exceptionnel.